Mes chers compatriotes, mercredi dernier, Alpha Condé a annoncé sa volonté d'organiser ce qu'il appelle des consultations nationales sur l'opportunité de changer notre constitution. Nul n'est dupe. Le seul but de l'exercice est de donner une légitimité à sa décision déjà prise de changer notre constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Nul n'ignore que cette volonté d'Alpha Condé est illégale. Elle est inopportune et inutile dans la mesure où elle violerait son serment, mais également les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Après deux mandats à la tête de l'État, le bilan d'Alpha Condé est dérisoire. L'accès aux services de base comme l'eau, l'électricité et les soins de santé primaires demeure un privilège dans de nombreuses régions de notre pays. La dégradation des infrastructures, la pauvreté, les injustices, le chômage des jeunes, la corruption, le bradage des ressources, la restriction de nos libertés constituent le lot quotidien des Guinéens. Peuple de Guinée, levons-nous pour exiger des élections libres et transparentes, pour défendre notre constitution et empêcher l'assassinat programmé de notre jeune démocratie.